Alors pour cette recette idéale pour un petit déjeuner de Saint-Valentin, vous allez d'abord verser le lait dans un récipient. Vous ajoutez ensuite la farine et la pincée de sel. Ensuite l'huile. Et le rhum en option. Sachez que moi j'en mets car ça donne un bon petit goût aux crêpes et je sais qu'on apprécie bien ça chez moi. Mais c'est vraiment comme vous voulez. Il faut aussi savoir qu'avec la cuisson le goût s'efface un peu. Du coup vous pouvez quand même en mettre pas mal si vous voulez un petit goût. On va ensuite prendre un batteur électrique et battre tout ça en essayant de ne pas avoir de grumeaux. Une fois que c'est fait, je viens prendre ma poêle à mini crêpes et je viens huiler la plaque pour éviter que ça colle. Et je viens donc remplir avec une louche mes petits ronds de crêpes avec ma pâte à crêpes. Je les laisse cuire. En général, vous pouvez retourner votre crêpe quand il y a pas mal de petites bulles. Là, on en voit un peu. Après, c'est à vous de gérer. Si vous voulez des crêpes un peu plus cuites ou très claires, vous faites comme vous voulez. Que j'ai récupéré toutes mes crêpes, je les mets de côté et je commence le dressage. Alors moi j'avais des fruits surgelés, du coup je les avais dégelés avant au micro-ondes avec la fonction décongélation. Et ce que je fais, c'est que je fais donc un millefeuille de crêpes. Je mets un peu de chantilly, un peu de fruits, une crêpe, un peu de chantilly, un peu de fruits, une crêpe. Voilà, on répète toujours la même chose. Alors ma chantilly n'est pas faite maison car je voulais une chantilly allégée et je n'avais pas trop le temps, mais c'est toujours meilleur quand c'est fait maison, mais vous faites comme vous voulez. Et bien sûr, les fruits, c'est aussi à vous de voir. Moi, j'ai pris fruits rouges, mais vous pouvez prendre ce que vous voulez. Alors, moi, là, j'ai mis 4 crêpes par personne. Après, si vous êtes des gourmands, vous pouvez en prendre plus, hein. Le jus des fruits, je suis simplement venue arroser mon tas de crêpes, mes petits millefeuilles, histoire de donner un peu de goût. Et j'avais des petites feuilles en espèce de feuilles comestibles, et du coup je les ai rajoutées au-dessus car je trouvais que ça donnait une petite touche jolie, féminine pour terminer le tout. Et voilà! J'ai servi un petit thé car moi je bois beaucoup de thé, et voilà, vous avez tout ce qu'il faut pour un petit déjeuner au lit qui vous mettra de bonne humeur avec votre chéri. Je vous fais plein de bisous, passez une bonne Saint-Valentin et à bientôt.